que le terrain est séché un tout petit peu pour faire nos essais. On va commencer avec le MTX tout cool. Clairement, un salopard qui a fait sa vie dans ce parking. On a donc les Kakapit Warrior MT dessus. Ah bah, qui font 420 grammes pièce. Donc à pas mettre sur n'importe quel engin. On est en hauteur Spectrum 49-85 1250 kV. On a mis un tout petit pignon, je crois, de 16, je pense 15 ou 16. On est en 8S. Méridien d'exagéré, tu peux voir. On va pas plus vite qu'en 6, mais on va être tranquille avec la chauffe et l'autonomie. Donc des pneus très tendres qui ont beaucoup d'accroche. Et par contre, t'as vu, ils ballonnent pas des masses. Donc ça ballonne un peu, mais sans déconner. Et ça, c'est cool. Voilà, un petit coup de frein avant de tomber, hein, pour pas taper avec les roues à plein régime. On est pas mal, hein. Ce qui est délirant, c'est que le vent est chaud. Le terrain est pas mal du tout là. Avec ma vieille GoPro 8, avant je filmais au tout départ, enfin si on avait commencé tout de suite en 2.7K et 3, et j'avais pas fait gaffe, en 4K on s'était mis en large pour être moins souvent hors champ caméra. Le problème, c'est que dernièrement, je me suis dit, bon, maintenant que je vise nouveau mieux, et que, parce qu'on avait fait une paire d'essais avec la caméra sur la casquette. Comme j'ai le nouveau sur le front, je voulais me repasser en étroit, et je me suis aperçu qu'en 4K, je pouvais même pas avec la Go 8. C'est pour ça que le 2.7K me prenait beaucoup plus de place sur les fichiers, parce que c'était que le zoom du 4K, en fait. Donc le 2.7K et 3 sur ma Go 8, c'est pas un angle de vue restreint, c'est juste qu'ils zooment dans le 4K. Le problème après, c'est pour vous faire d'autres zooms. Et sur les ralentis, ça devient moche. Alors j'ai des 4S 6005 DXF à bord. Trop de frein. Après le frein là, j'ai mis un tout petit coup de marche arrière pour me remettre sur les roues. On est plus à l'aise comme ça. Avec le 1650 Castel, j'étais bien, mais je pense que j'avais mis un pignon beaucoup trop gros. J'aurais dû rester sur un pignon 13. J'avais mis un pignon assez gros pour pouvoir rouler en 6. Et en 8, mais en 8 c'était du n'importe quoi. Il y a définitivement trop de gouache. Dès que j'aurai cherché ma jante chez Promolis 67, on fera bien sûr aussi nouveau du run avec les roues d'origine. Salut! Ah bah oui, il y a 4 babales sur un tas. J'en ai commandé 2 pour Noël. Ah, ça c'est bien. J'en ai commandé 1
Ouais. Merci. Ah, on a un souci de direction. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Oh. Ah, ça va. On a eu chaud aux fesses. C'est la vis qui s'est barrée. Mais me demande pas comment. Comment t'as réussi à sortir, toi? Bon, rien de grave. On va aller remettre la vis, on revient. Ah, 1 minute chrono d'arrêt au stand. Avec les pneus d'origine, je pense qu'on rentrait largement le flip. Avec cela, non. Après, ça me suffit pour faire des flips simples. Le but étant toujours pour moi d'avoir des pneus avec lesquels je peux faire un peu tout. Et c'est bien sûr cool de pas avoir de... Tu vois, haute vitesse, tu perds pas le contrôle. Hein. Donc je pense qu'on a un bon petit mix. C'est dommage que ce soit... Voilà, bien sûr, on aurait bien aimé avec 50 ou 100 grammes de moins. Yeah. Après, peut-être essayer avec un pignon plus gros quand même. Et oui, le moteur en 49, j'ai pas la clamp à l'arrière, hein, il est fixé que à l'avant sur le support. Et on avait déjà testé ça avant que sur d'autres MT et ça posait pas de problème. Enfin, sur le MT normal et plus.
J'aurais dû remettre gaz. Ah, Vario, c'est Obimi Maxis. Et du coup, là, on est dans les 7 kilos, le bébé. Bonjour. J'adore ce passage à saut de mouton là-bas. Je me défoule d'abord la gâchette avec celui-là. D'abord, je voulais voir si le terrain était agréable et pas trop dégueu. Et surtout après, ça m'évitera de faire du mal au Kagama. Oh, là j'aurais dû freiner. Quand j'ai vu que le cul montait, j'aurais dû pousser le flip avant, au lieu d'essayer de rattraper. Ça aurait été plus mal. On va pas trop tirer sur les lipos là. Donc ça devrait bien aller avec les DXF. Parce que définitivement on a du déséquilibre sur les cellules. On a une coupure quand tu recharges, t'es loin de mettre 6005. Si t'as une coupure à 3,7, il faut vraiment aller fond de cuve de la lipo pour sortir la capacité indiquée. Ah, j'ai fait capot en plus, comment j'ai réussi à faire ça moi? Top qui m'a fait un croche-patte. Alors, les roues sont encore serrées. Le jeu là, ça c'est typique du MTX. Non, celle-là elle se balade. Voilà. Si? Qu'est-ce que là? Oh, les roulements ils sont déjà à mal. Ouais, on va attendre qu'ils sortent. Quand ils seront dehors, on sera sûr. Et puis ça sera plus marrant accessoirement. Ouais, on pourrait lui prendre une dent en plus pour la VMAX. A voir après avec les roues d'origine, tu me diras vu qu'elle balle en plus. Ça, selon le terrain et mes envies, je change juste les roues. Voilà, avec le Kagama Mani, t'arrêtes de taper sur le front comme ça, sur le nez, parce qu'il a rien devant. Hein. Il y a un petit pare-choc creux. J'aurais bien aimé qu'il fasse de même un petit caoutchouc devant. Là, j'ai attendu le premier flip pour enchaîner le deuxième.
Oh. Là j'ai merdé, j'aurais pu rentrer le double, j'ai freiné trop tôt et on a eu un bruit. Et je pense qu'on a claqué un triangle. Yes. Défragmenté. Oh, il a éclaté le bordel. Bon, c'est bien, comme ça on aura une petite mesure pour le Kagama. Parce que il fait pas froid aujourd'hui là. Après lui il est lourd. Hein. Et c'est le genre d'erreur fatale. Après c'est bien d'avoir pété un triangle parce que c'est une pièce fusible qui coûte pas une fortune, c'est vite changé. J'en ai même avec mais on va pas le changer. On va en rester là et on va sortir les autres. Peut-être encore m'exciter sur le Creighton en 6S vite fait d'abord. J'ai le techno avec aussi. Ouais, j'ai tout emmené en fait.